Aimer la parole de Dieu ce jour dans l'Ancien Testament, le livre de Josué, le chapitre 6, les versets 1 à 20. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole renouvelée en nous jour après jour, semaine après semaine, tout au long de notre existence. Nous venons de lire cette parole. Nous avons besoin que tu la rendes intelligible pour chacun d'entre nous, pour notre vie de foi et notre marche derrière ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire est ici-là un retracé de l'histoire du peuple juif en progression, envoyé par Dieu. Il se dirige vers Canaan, la terre promise, mais sur le chemin, ils doivent passer pour arriver là où le Seigneur les envoie. Ils doivent passer par la ville de Jéricho. Or, celle-ci, d'après notre texte, était fermée. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait en sortir parce que la ville était entourée de murs. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, le texte, tout en nous présentant ici là cette difficulté, nous montre comment est-ce que l'on peut se comporter et l'on peut agir lorsqu'on est en présence d'un problème. Le thème que je voudrais vous proposer pour ce jour est le suivant. Quand c'est Dieu qui fait tomber les murs sur ton chemin. Quand c'est Dieu qui fait tomber les murs sur ton chemin. Un mur, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Un mur, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui peut nous bloquer, nous priver, n'est-ce pas, de cette possibilité d'aller là où nous voulons partir. Tous ces derniers temps, on a suivi avec beaucoup d'intensité comment, aux États-Unis, le peuple américain en partie s'est levé pour dire non. Lorsque le président de la République, Donald Trump, dit qu'il va construire un mur. Le mur, c'est pour priver les gens de la possibilité de passer. Même si le mur a une fonction aussi positive que lorsqu'on construit une maison, on construit une maison, on met des murs, c'est pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur. Mais lorsqu'on parle ici des murs dans ce texte, il est question d'abord de cet enfermement dans lequel la ville de Jéricho était fermée et il ne permettait pas que les gens puissent entrer ni sortir. Or, dans son enfermement, elle est quand même cette ville sur le chemin de ceux qui sont en train d'aller d'un point A vers un point B avec le Seigneur. Et donc la ville, à ce moment-là, les murs constituent pour le peuple de Dieu en marche, constituent un obstacle. C'est un obstacle sur le chemin du peuple de Dieu. Or, le texte nous présente ici la manière dont Dieu va agir pour faire tomber ces murs. Il n'y a eu aucun acte de violence, aucun acte de force exercé pour faire tomber ce mur. C'était pourtant un obstacle de taille. On demande au peuple de Dieu juste de se lever chaque matin et d'aller faire le tour de la ville. On vous dit votre travail. Parce que vous êtes en chemin pour aller là où vous devez partir. Bon, vous êtes bloqué parce qu'on ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. Et pourtant, il faut que vous passiez là, par cette ville. Il faut que vous entriez là-dedans pour pouvoir continuer sur le chemin. Parce que le Seigneur a prévu que là, tout ce qui est dans cette ville doit être dévoué par un interdit. Quand on rentre dans les textes de l'Ancien Testament, on découvre que cette ville avait déjà été maudite par le Seigneur. Vous savez, c'est une ville, la ville de Jéricho avait été déjà maudite.
Et donc, sur le chemin, cet obstacle-là, il y a une purification nécessaire qui devait se faire avant que le peuple ne continue. Bien-aimé dans le Seigneur, il est recommandé au peuple de faire quoi? Le matin, le seul travail qui est demandé pour, n'est-ce pas, faire tomber les murs, c'est que lève-toi, va faire le tour de la ville. Tu ne parles pas, tu ne cries pas, tu ne dis rien, tu tournes, tu rentres, tu dors. 7 jours après, il a fallu faire le tour de la ville maintenant 7 fois. Et l'ordre donné au peuple cette fois-ci maintenant de faire retentir sa voix, dès que le peuple a élevé sa voix, les murs ont commencé à tomber tout seul. Bien-aimés dans le Seigneur, les murs-là ne sont pas sortis de terre tout seuls. Ce sont des gens qui les ont construits. Ils ont construit des murs pour se protéger, mais ces murs, ils en ont fait un obstacle pour. C'est de la même manière que nous aussi, nous construisons des murs. Aujourd'hui, les murs ne sont pas simplement des murs de pierre. Ce ne sont pas simplement des murs de béton. Mais les murs qui se construisent aujourd'hui sont également, ce sont des murs d'une autre spiritualité. Ce sont des murs qui empêchent d'autres personnes de pouvoir avancer. Lorsque nous rentrons aujourd'hui dans la vie de l'Église en général, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les chrétiens ont certaines difficultés à avancer avec des pasteurs. Pourquoi certains pasteurs ont des difficultés à avancer avec d'autres chrétiens? Les murs. Parce qu'en construisant chacun au sein de l'Église, chacun d'entre nous veut se protéger. Chacun d'entre nous veut en même temps être avec Dieu, mais en même temps se protéger des autres. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous construisons chacun un mur. On veut se protéger. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'en construisant ce type de mur, nous mettons un obstacle sur le chemin de notre projet dans son évolution avec son Dieu. Les hommes construisent des murs. Les hommes ont toujours construit des murs. Dans l'histoire de la foi et dans la progression de la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui construit les murs. Ce n'est pas Dieu qui construit les maisons. Ça, c'est le fait des hommes. Mais, depuis la tour de Babel, on a toujours constaté qu'à chaque fois que l'homme veut construire quelque chose, il se met en opposition avec le Seigneur. Regardez dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de mur à construire. La seule chose était d'observer la loi. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, Adam et Ève ont voulu construire. C'était aussi un mur. C'était un mur. Parce que là, la connaissance du bien et du mal, c'était pour eux, comme le serpent disait, vous c'était comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et voici donc, bien-aimés dans le Seigneur, face aux épreuves, face à l'épreuve, comment est-ce que nous devons nous comporter? Nous avons des difficultés au quotidien chacun. Ce sont des obstacles qui sont comme ce mur devant nous. Mais où est-ce que nous puisons les forces? Lorsque je dis que le thème c'est quand c'est Dieu qui fait tomber les murs sur ton chemin, quand c'est Dieu? Parce que les êtres humains ont aussi la possibilité de faire tomber des murs. Vous savez, lorsqu'il y a un mur entre deux frères dans une communauté, ou bien dans une famille, en général, il y a deux solutions. Soit c'est la solution pacifique, qui est celle qui cherche la négociation, on va dialoguer, on prend le temps, n'est-ce pas, d'aller paisiblement vers l'élimination de ce qui constitue un obstacle. Alors, l'autre manière, c'est la manière forte. Le texte de ce jour nous présente la manière douce. Parce que le Seigneur peut résoudre nos problèmes en douceur. Ce n'est pas par la force. Tournez la vie. C'est question pour nous d'être obéissants donc. Parce que le résultat qu'il y a eu le 7e jour, et c'est un résultat qui a été possible, rendu possible, parce que le peuple a été obéissant à ce qui lui a été recommandé.
pouvons pas réussir à faire les choses en douceur si nous n'observons pas la parole de Dieu. Aime ton prochain comme toi. C'est pas compliqué, apparemment. Pourtant, c'est compliqué aussi. Parce que dès qu'il y a un souci, on se trouve rapidement. Les murs sont là. Je voudrais dire que les murs apparaissent à une vitesse incroyable. Il suffit que nous soyons irrités. Il suffit d'un tout petit problème. Le mur, tout de suite, commence à se lever. C'est comme ça. Avec nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, avec nos amis, au travail, partout, dès qu'il y a un petit problème, nous ne nous rendons pas compte. Mais le mécanisme naturel provoque ici l'élévation d'un mur. Parce que nous sommes des humains. C'est ce que les scientifiques, dans leur recherche, ont appelé ça le réflexe. C'est une forme, n'est-ce pas, de défensive dans laquelle chacun d'entre nous se met sans se rendre compte qu'il s'est mis sur la défensive. Lorsqu'il y a un problème qui survient, on cherche qui a tort, qui a raison. C'est tout le monde qui a naturellement raison. Parce que personne ne va avoir tort. C'est un mécanisme de Dieu. C'est un mur. C'est un mur parce qu'on veut se protéger. On ne veut pas qu'on dise que c'est moi qui a tort dans telle ou telle situation. Bon, le mur est là. Mais pour faire tomber les murs, il faut laisser le Seigneur agir en chacun d'entre nous. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Lorsque la recommandation est là, il faut être allé. Il faut écouter. Après avoir écouté, il faut accepter. Parce que le fait d'entendre n'est pas suffisant. Il y a un mécanisme obligatoire qui doit se mettre en chacun pour accepter que ce qui m'a été dit, je l'accepte, je fais de ce qui m'a dit quelque chose qui fait corps avec moi pour pouvoir avancer. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, voici donc le peuple qui, face à ce mur, le mur n'existe plus. Le mur est tombé. Il est tombé. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'obéir à la volonté de Dieu. Nous aussi, aujourd'hui, les épreuves dans lesquelles nous sommes, les obstacles sont là. Il y a les questions de séjour. C'est vrai, lorsque nous partions du pays pour venir en Europe, on n'a jamais pu imaginer, parce que dans les petites informations, souvent belles et rêveuses qu'on présente, il n'y a pas la réalité. C'est toujours tout est toujours facile. Et donc quand on s'en va, on ne sait pas. On se dit, on s'en va aller. Mais quand on est sur le chemin, à ce moment-là, on commence à voir les obstacles sortir les uns après les autres. Quelqu'un m'a dit un jour que, pasteur, mais les gens quand ils voyagent maintenant, ils font des faux papiers, ils font des choses, et puis ils sont toujours en train de dire que vraiment, Seigneur, il faut que tu m'aides. Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est compatible dans le chemin de la vie d'appeler Dieu quand on est en train de faire du faux pour pouvoir se sortir, n'est-ce pas, d'une affaire? Je ne suis pas, moi je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis qu'un chrétien, peut-être aujourd'hui parce que je suis pasteur, mais après 20 ans de ministère, 22 ans, j'ai appris que lorsque le Seigneur veut sauver l'être humain, tout est possible. Donc, pour dire que la condamnation aussi, c'est une digression sur le chemin. Lorsque quelqu'un a fait un document signé à côté, est-ce que consciemment on peut dire que c'est une faute? Je ne sais pas si lorsque l'on a caché Moïse, et lorsque Moïse s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, c'était quand même, il y avait un mensonge quelque part, mais c'était pour une bonne cause. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, nous avons commencé avec beaucoup d'épreuves entre nos mains. Ça veut dire que l'épreuve est là, l'obstacle est là. On a comme le sentiment tout à l'heure, comme on suit dans la prière, que c'est comme si tout s'organise pour nous débrancher du Seigneur. Et là, il faut que chacun d'entre nous reste vigilant. Parce que les obstacles et les murs que nous construisons et ceux que nous rencontrons sont susceptibles vraiment de nous
à rentrer dans un combat qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon combat. Je disais tantôt, la semaine dernière, que j'ai gardé le silence pendant plusieurs semaines, je ne parlais pas. J'ai rencontré des difficultés sur le lieu de travail. Avec des personnes qui sont arrivées avec comme seul objectif, non de travailler, mais de me faire licencier. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à garder mon calme. Et pourtant, dans tout ce qui se faisait, j'étais à la limite, j'étais prêt à exploser. Et c'est justement ce qu'il ne fallait pas, ce qu'il fallait pas faire. Et je ne l'ai pas fait. J'ai dit toujours que, voilà, face aux difficultés, comme là, les Égyptiens, hein, ils étaient en train de traquer sur le peuple de Dieu, là, là-bas il y avait la mer Rouge, là-bas le désert, de l'autre côté, on voit Pharaon venir avec ses troupes. Mais pourtant, Moïse a dit au peuple, les autres vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Et gardons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, de vouloir appliquer nos propres solutions lorsque nous sommes hors d'ici. Chaque fois que chacun prend le temps de se dire, est-ce que le Seigneur accepterait que je fasse comme ça pour faire tomber cet obstacle que j'ai devant moi? Si nous nous posons la question, les bonnes questions, on peut avoir les bonnes réponses, mais la meilleure réponse, c'est toujours de laisser le Seigneur, que ce soit lui qui agisse pour éliminer les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous ce partage. Éternel Dieu trois fois saint, merci Père parce que une fois de plus, tu nous montres ton immense amour. Parce que Père, malgré que nous savons que tu es avec nous et que tu es toujours au milieu de nous, nous venons d'apprendre une fois de plus que nous devons te laisser agir en nous. Nous devons te laisser la place en nous afin de pouvoir faire tomber les murs que nous avons envers les autres. Seigneur, permets donc que cette parole ne soit pas vaine, qu'elle demeure à nous et surtout que nous puissions changer. Seigneur, à celui-là qui nous a transmis ce saint message, permets, Père, qu'il puisse être nourri davantage spirituellement pour d'autres messages. À ceux qui sont au loin, permets aussi, Père éternel, que nous puissions ne pas garder cette information pour nous, que nous puissions aussi partager avec nos frères et sœurs qui ne sont pas ici aujourd'hui. Seigneur, toi seul bénis cette parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.